la vie. Quatre dates seulement en France, et ça le comble chaque fois, même s'il a quitté depuis longtemps le mythique Dire Straits, Mark Knopfler a toujours de nombreux fans. L'une de nos équipes a pu s'en rendre compte hier lors de son concert à Bercy. Eric Cornet, Jean-Christophe Duclos. Bien sûr, il a pris un coup de vieux, mais l'essentiel n'a pas bougé. L'essentiel, c'est l'or qu'il a toujours dans les doigts. Chantante, cristalline, ce toucher incomparable, intact, qui a construit la légende d'un des groupes phares de l'histoire du rock, Dire Straits. Quinze ans que Knopfler a mis fin à l'aventure du groupe. Il a continué en solo, mais les fans sont toujours là. Eux ont même fondé une association pour partager leur passion, organiser des concerts, ou jouer comme lui. Ou presque. Oh, pardon. Je ne suis pas surpris de voir qu'on continue à aimer cette musique-là, mais je suis par contre surpris de voir des jeunes découvrir la carrière de solo de Mark sans avoir connu Dire Straits avant. Étonnante fidélité, car la musique de Mark Knopfler a sensiblement évolué. Si on aime ses textes, sa voix, et qu'on aime un peu les musiques à tendance folk américaine, on est ravis. Si on était là pour ses solos de guitare, pour ses albums d'il y a 20-30 ans, on prend ses distances peut-être pour certains, mais on a toujours plaisir à le voir en concert devant. Voilà. Hier soir, comme d'habitude, les plus mordus sont ressortis ravis. D'autres regrettent secrètement la machine trop bien huilée qu'est devenue Knopfler. Ils refusent toute interview, mais aussi de rencontrer ses fans. Mais qu'importe, pour l'un des derniers guitar héros, on veut bien tout pardonner.